vais vous présenter les Avengers. Alors, ça commence par les Spider-Man et la chambre de Spider-Man. Et il regarde la télé même. Il boit du thé. Et ça, c'est Joker qui fait qui joue la piscine. Et ça, c'est Captain America qui fait la douche. Et Armin, qui prend la douche. Qui prend la douche. Et Armin est en train de réparer son casque parce que c'est brisé. Et ça, c'est la fille qui est en train de faire du jogging et des exercices. Bad Girl. Et comment ça s'appelle cette place? C'est quoi exactement? Où? Ici, c'est quoi? Ici? Oui. C'est salon. Non, tout ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une maison. La maison de? De Spider-Man. Ok, tu peux me parler un peu de Spider-Man, c'est qui en fait? Spider-Man, c'est le petit garçon. Pourquoi il sauve les gens? Qu'est-ce qui passe avec les gens? Parce que si des venins ou quelque chose d'autre, ça peut arriver. Et si Spider-Man, il peut pas faire tout capable, il doit faire à dire Avenger. C'est un mot pour tous les Avengers viennent aider. Ok, tu veux dire que Spider-Man, il protège les citoyens. Oui. Il protège les gens. Parce qu'il y a des criminels, des vilains qui viennent détruire la ville. Alors, ça, Spider-Man, il est là pour protéger les personnes. Oui. D'accord. Et ça peut aussi enlever ça. Vous avez vu? Vu quoi? Montre-moi. Ça peut tirer ici. Go. Ça peut enlever? Oui, ça peut enlever. Ok. Est-ce que tu peux me présenter un autre personnage? Oui. Captain America est en train de faire la douche parce qu'il est tout sale. C'est qui Captain America? Peux-tu me dire? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est un méchant? C'est un gentil? C'est qu'est-ce gentil. Qu'il fait? Gentil. Ah, vas-y. C'est gentil. Et aussi, Captain America, c'est un soldat et un parachutiste. Ah, d'accord. C'est un super-héros. Oui. Qui sauve le monde aussi. Oui. Ok, l'autre personnage, tu m'expliques, c'est et qui? Ça, c'est comme un avion. Ok. Et on peut aussi le mettre. Alors, la chambre, elle peut voler la chambre. Oui. Les armes. Qu'est-ce que Spider-Man il utilise comme arme? Son arme, c'est des web shooters. Des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée. Et Captain America? Captain America, c'est un bouclier pour se protéger. Ok, peux-tu me parler un peu de Iron Man, s'il te plaît? Iron Man passe pour le protéger. C'est son armure, des batteries pour se charger. Ok. T'as oublié ça? Ça, c'est quoi? Le masque pour le protéger. Pour le casque. Le casque pour protéger son visage. Ok. Est-ce qu'il peut voler? Oui, il peut voler. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut sauver les gens. Joker. Joker, il n'a jamais. Il n'est jamais comme des super-héros. Il n'est même pas ventier. Alors, parce que il fait des pas bons blagues. Batman, il n'aime pas ça.
Tu fais des bêtises. Oui, je fais des bêtises quand même, petit bébé. Ah, ok, c'est pas un super-héros. Oui. C'est un méchant. Oui, c'est un méchant. Il faut se méfier d'un Joker. Oui. Il peut nous faire du mal. Oui. Ok. C'est qui ton... Ah oui, et Batgirl, vas-y, tu peux m'en parler un peu de... Batgirl, c'est des boomerangs comme Batman. Ok. Et on peut enlever ses cheveux. Ah oui, on peut enlever les cheveux. Oui. Parce que c'est un Lego. Oui. Mais dans le film, on peut pas enlever ses cheveux. Pourquoi? Ben c'est on peut pas enlever les cheveux. Oui, c'est une fille, on peut pas enlever ses cheveux. C'est juste avec les Lego. Ou on peut prendre les cheveux de Spider-Man et on les cheveux de Batgirl et on met les cheveux de Batman. De Spider-Man sur elle. C'est un garçon. Ok. Et ça, c'est toi qui as fait? Oui, cette maison? C'est moi. C'est avec les trouillis que j'ai fait. J'ai appris dans mon école. Et ça, c'est le petit canard de Joker qui a fait avec ses blocs. Le petit canard. Quel est ton super-héros préféré? Spider-Man. Ok. Merci pour ta présentation, Miran. Oui. Tu es triste? Pourquoi? Je vais te revoir. Ben non, tu vas nous revoir. Oui.